Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.2 pour quelque chose. Nous sommes toujours dans le système Pi Pavonis. Nous avons toujours un ROS pas trop loin qu'on va passer encore une fois en pauvre pour le moment, puisqu'on verra encore une fois si ça passe mieux en riche, mais j'en doute. J'ai modifié quelques petites choses, chers amis, sur le vaisseau. Moi, j'ai enlevé l'accélérateur à plasma, j'ai passé un gros canon. On va voir si, effectivement, après avoir réduit à néant les boucliers ennemis avec les lasers, je ferai ou non plus de dégâts avec un canon. Je pense que oui, soyons honnêtes, hein, je pense que oui. On verra bien, mais honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Hop, alors. Je l'ai mis en gimbaled, hein, donc en suivi, hein, en suivi, pas en tourelle, enfin en guidé, voilà, en tir guidé, en ciblage guidé. En suivi tout simplement, je pense que suivi c'est assez compréhensible. Alors que voilà, en fait, l'objectif c'était en fait de me dire, voilà, quand je jouais avec l'accélérateur plasma, je loupais, on va dire, je faisais un tiers de mes tirs qui mouchaient. Je touchais qu'avec un tiers de mes tirs. L'objectif maintenant, c'est de voir si... Enfin, si je toucherai plus avec ce canon qu'avec l'accélérateur à plasma. C'est véritablement ça l'objectif. Donc si c'est le cas, tant mieux, on gardera. Sinon, on passera à autre chose. On verra, on fera des tests. On fera des tests, chers amis. Et on verra bien si oui ou non c'est efficace. Attends, réfléchir à un truc. Je crois que oui, hein, c'est bon. Non, je crois que c'est bon. Je vais faire un tour rapide sur le Coriolis. Hop. J'ai un doute sur un truc. Coriolis.io. Ok. Python. Et au niveau de l'armement, j'avais 3 larges. Donc c'est bien ça. Je peux pas être plus gros que le 3. Oula. Je viens de soulever mon truc. Ok. Donc on est plutôt bon. On va bien voir. Par contre, il y a de grandes chances du coup que je one-shot tout ce qui est petit vaisseau, si ça touche, hein, bien sûr. Petit vaisseau avec le canon s'ils ont plus de bouclier. Ça peut être assez rigolo à voir. Hop, ma petite pêche, hop. On voit de moins en moins le rouge quand même. Hein. Oh, c'est dommage. On le voit encore, mais de moins en moins. Ok, on y est presque. Serrer les fesses, croiser les doigts, on a quand même fait, je crois, 300 000 crédits, c'est pas mal. Et on a gagné apparemment un rang d'empire, mais je l'ai pas vu non plus, ce rang-là. Et par contre, on a gagné 0 au niveau du rang, vous voyez, on est passé au rang allié. On a gagné 0 au niveau du rang de notre rang d'armée, entre guillemets, notre rang militaire chez l'empire. Donc est-ce que ça va augmenter ou est-ce que ça ne va pas augmenter, on verra bien. Cela dit, ce serait vraiment dommage que le rang militaire n'augmente pas. Enfin, on va bien voir. Pour l'instant, on se fait de l'argent, on a un petit peu d'action, c'est cool. Tout se passe bien. Ah, donc ça, c'est un pote. Un pauvre petit adder, donc je pense pas que ce soit véritablement une cible intéressante, effectivement. Diamondback Explorer. Là, par contre, on a peut-être plus d'intérêt à aller voir là-dessus. Surtout s'il vient vers nous. Bouclier de Torval. Donc là, non, normalement, il y a très peu de chances que ce soit un ennemi. On va booster un... Ah ! Suzanne Houdin Louise Faywings. D'accord, bonjour. Ah bah tiens, ça tombe bien, c'est toi que je cherchais. Oh, quel joli chargement, dit, tu me le donnes gentiment, hein. Comment dire. Boum. Oh non, j'ai pris une prime. Oh, quel abruti. Hop, je sais pas si je touche. Apparemment oui. Mais non, m'attaquez pas. Je suis un gentil, j'ai juste fait une bêtise. C'était un homme recherché.
Il devrait corriger ça, merde, je dois refaire un aller-retour à la con. Ellipse, chers amis, c'est pas grave. Ellipse. Re, chers amis, donc, alors. L'équipement est sorti. On met tout en petit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des eagles. Des eagles, c'est tout petit. Et ils ont l'air amicaux. Les deux ont l'air assez amicaux, d'ailleurs. Viper MK4. Amical ou pas amical? Agent fédéral, je ne sais pas. Ah, pas amical. Pas amical du tout. Hop. Boum. Tu l'as senti celui-là? Boum. Et celui-là? Boum. Voilà. Alors apparemment il y en a un deuxième qui a l'air agressif. Gabor de moteur. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Hop, le voilà. Hop. Hop. Essayer de leur avoir en face, voilà. Hop. Boum. Tu l'as senti aussi celui-là, hein? Hop. Un petit coup de WC, mais c'est vraiment pour la forme, si je puis dire. Boum. Le coup de canon. Bah, le canon fait mal. Le canon fait mal. Thomas Adams. Hop. Hop. Boum. Boum. C'est bon. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui soit un petit peu colère? Alors, service de sécurité, d'accord. À tous, moteur en panne, préparez-vous à vous soumettre à une analyse en contrôle. Mais j'arrête de bouger, si tu veux. Y a pas de souci. Bouclier de Torval, le retour. Ok. Analyse terminée à tous les commandants, vous pouvez partir. Merci de votre autorisation. Bouclier de Torval, il est gentil. Le Eagle, là. Tiens, je me fais scanner par quoi? C'est quoi qui me scanne? Bouclier de Torval. Je pense me tromper, mais voilà. Il est gentil, finalement. Cobra MK3. Cobra MK3, bonjour. Course Macleur. Alors, qu'est-ce que tu planques dans ta soute? Qu'est-ce que je planque dans ma soute? Rien du tout. Boum. Merci d'être passé. Alors, est-ce qu'il y a autre chose dans le coin? Parce que là, c'est vraiment très facile. Hein. Faut être honnête, hein. On gagne pratiquement rien en plus. Un pauvre petit Sidewinder, mais ce n'est qu'un Sidewinder, ça va rien me rapporter. Puis il mine en plus, donc il va pas être méchant. Voilà. Qu'est-ce que je disais? T'as pas un poil plus gros? Boosté par là, on va bien voir. T7, transporteur. Gentil, méchant, gentil sûrement, comme la plupart des T7. Hein. Faut être honnête. Beefmaster! Gentil. Bon, pas de chance. Pas de chance.
Hop. C'était quoi ça? Faut vraiment que j'allume les phares. Ok. Eagle, bouclier de Torval, Eagle, Cobra MK4. Aha! Oh oh! Oh merde. Bon, je vais encore arriver après la fin du combat. Hop. Hop. Et c'est fini. Phew, juste à temps, histoire de récupérer un petit peu de crédit. Oh! Qu'est-ce qui me... Michael! Michael. Pauvre Michael. C'est quoi qui m'attaque encore? C'est quand même pas toi! Mais... Et moi qui te prenais pour un homme bien... Raté, t'as boosté au bon moment, toi, Simone. Bon bah tant pis, j'aurais pas réussi à le toucher avec mon canon. Ok. Pour 2000 crédits, tu m'étonnes. C'est la fête. Ok. Alex. Alex, voyons. Fais pas ça, Alex. Alex. Raté. 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 Rechargement. Boost! Je l'ai eu? Je l'ai eu! Je l'ai eu! Pourquoi avoir un canon quand on a un vaisseau spatial? Voilà. Voilà pourquoi. Pour pouvoir avoir le droit de foncer sur les ennemis, t'as la boulet de canon. Et pas un boulet toco. Alors, machin. Oh merde, ils sont deux. Les sacs. Bon, vous savez quoi? Je vais tenter le coup. Je sais pas si je tire. Ouais, je dois tirer, mais... Je suis pas convaincu en deux mots. On a un SP Scout avec, enfin, contre nous du coup maintenant. J'aimerais pouvoir le... Hop, j'espère l'avoir touché. Mais bon, j'ai obtenu 30 000 crédits, donc bon, je considère que je l'ai touché. Ok, c'est pas épique. On va partir sur le riche, on va bien voir. Hop. Hop, ok. On va bien voir, on va bien voir. J'ai un petit doute, mais bon. J'ai un petit doute, mais bon. Hop. On verra bien s'il y a une différence ou pas. On va stacker qu'au gros vaisseau, pas au petit. Dès qu'on se fait scanner par un truc qui me semble un petit peu en escadrille ou n'importe quoi, fiouf, on vient. Ok. C'est parti. L'avantage, c'est que là, pour utiliser l'accélérateur à plasma, enfin, j'utilisais de l'énergie pour l'accélérateur à plasma, mais maintenant, je n'utilise plus. C'est véritablement un véritable avantage. Fédéral dropship, ça me semble intéressant. Létal, et il s'appelle Noob Hunter. Il est clairement pour ma gueule, celui-là. Ok. James Bocking. Imperial Eagle. Je commence par toi. Hop. Je commence par toi, si tu permets. Hop. Garde un œil sur le bouclier quand même. Ah, je crois que j'ai touché là.
Bon, lui, c'est bon. Apparemment, on a un nouvel ennemi dans le coin. Delcook. Où est-il? Hop. Oh, il s'est pris un de ses tirs dans le cul. Lulu. Ok. Noob Hunter. Je t'ai jamais aimé. Cubas. Non, c'est qui me scanne? Noob Hunter, tu es où? Excuse-moi, je t'ai ignoré l'espace d'un instant. T'as l'air vilain, Noob Hunter, quand même, hein. Il commence bien. Je sais pas si ça touche du coup. Il fuit ? Hop. Il a des bons boucliers, cela dit. Hop. Raté. Thermal attack. Oh merde. Allez, vise. Hop, allez Marcus. Allez. Le faire, je crois que je l'ai touché. Hop, rechargement, dommage. Hop. Ça devrait être bon bientôt. Je l'ai raté. Mais ils l'ont eu. GG à eux. Pfiou, c'est la guerre. Nick Seridani, où es-tu? Ici, ok. Je l'ai raté. C'est bon. Ok. 34 000 de plus. Ok. Oh, quel joli chargement. Dis, tu me le donnes gentiment, hein. Ah bah, j'ai même pas le temps de répondre. Donne. Bien. Oh, t'es trop petit pour que je m'intéresse à toi. Hop. Bien qu'il y a ses copains derrière. J'admets que là, je sens max la menace. Hop. Lee. Lee, où es-tu? Lee, où es-tu? Pourquoi tu m'agresses? Hein? Pourquoi tu m'agresses? Dis-moi pourquoi tu m'agresses? Hop. Mais non. Tu crois vraiment qu'on va te laisser t'enfuir? Oh, les deux. Ah, oh, bah c'est moins drôle. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Du coup, est-ce qu'il y a plus gros? Viper. C'est bien. C'est sympa, c'est un Viper. Oula, oui. Il y a du combat par là-bas. Par contre, s'il y avait plus gros, ce serait vraiment cool. Vais-je arriver à temps? Vais-je avoir le temps de lui tirer dessus? Vous le saurez dans le prochain épisode. Non, je rigole. Pas exagérer non plus. Ah putain. Oh putain. J'ai trop boosté. Marcus, fais des dégâts. C'est bon Marcus. Ouh. Ouh, tu t'es sauvé les crédits là. Mais laissez-moi viser les gens que je veux viser. Bonjour, bouclier de Torval. Non, toi tu n'es pas une cible. Bouclier de Torval aussi. Merde, crédit. Où sont partis mes copains?
Ouh, ça tiroille! Puis-je voir sur quoi vous tiroyez? J'ai pas eu le temps. Christian soupe juste sang, tu sais te battre. Christian est mort. Christian a décédé. SP Scout, je le sens bien celui-là aussi, tiens. Et putain, il est plus bas. Donc potentiellement, il est en train de miner, donc potentiellement, c'est pas la peine. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hop. Ah bah non, vous barrez pas dans l'autre sens, bande de nazes. Le temps que je vous suive, je suis pas dans le caca. Tochi. Non, c'est pas Tochi qui m'a analysé, c'est le Hader. Non, c'est pas le Hader. Service de sécurité. Non, c'est pas les services de sécurité. Mort de si Bane. Non. Cobra MK. MK4, oui, c'est bien ça. Il va être rect, encore une fois. Avant que je n'arrive, il va être rect. Non. C'est moi qui vais l'attaquer. Quoi? Allez. Allez, le bouboclier. Le bouboclier. Hop là. En train de recharger. On va attendre. Voilà. Hop. Boum. Boum. Non mais c'est pas ton cargo que je veux moi. C'est que t'as pas compris encore, hein, c'est... Non, là j'ai pas touché. Ah, meurs Charwin. Ok. Paf, qui m'attaque... Non, c'est qui? C'est qui m'attaque? Bon, c'est pas grave. C'est Paf qui s'intéresse à moi. C'est Paf qui s'intéresse à moi. Paf, fais pas le con, Paf. Paf, il a fait le con. Hop. Hop. Raté. Hop. Ah, j'ai plus de générateur de bouclier. Donc je vais les laisser l'avoir. Voilà. Et je vais tout mettre en bouclier et en booster pour essayer de m'échapper des combats et laisser le temps à mes boucliers de recharger. Mais là, ouais, effectivement, ça pue du cul. Ok, on est à combien de sous là de fait? Oh! Oh, pratiquement 5,5 million de fait, c'est cool. C'est cool. Par contre, là, effectivement, ça va être très très long. Ah, merde. Oh, Soumi. Oh, le Soumi. Un Diamondback Explorer. Tu vas tenter ta chance, l'ami? Ils sont plusieurs. Fuite. Xeden se fait attaquer. Je n'ai pas de Xeden sur le truc. Tant pis. Merde, je me suis fait attaquer. Par Gali. Gali qui, je crois, fait partie de... Merde, faut fuir.
Hop, faut fuir. Là, fallait fuir. Parce que là, pour moi, j'ai senti le danger. C'était pas bon. C'était quand même trois personnes qui m'attaquaient. On y retourne, on verra bien. Hop. On a déjà une barre de bouclier qui est remontée à fond. Ah oui, il y a un léger phare, effectivement. Très, très, très léger. Un Cobra MK3 dans le coin, je répète, un Cobra MK3. Un Adder qui arrive aussi sur le point. Qui devrait tellement pas me faire de dégâts. Casier vierge, quel dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Un Impérial Courrier, alors là on a une cible de choix. Ah merde! Un Anaconda? Nana! Nana! Oh là là! Oh, que ça pue cette histoire. Oh, que ça pue cette histoire. Ne me regarde pas, je... Non, non, mais... Crois-moi, je... Je ne te serai pas intéressant. Il a déployé ses points d'emport. Il se fait agresser, parfait. Il se fait agresser, parfait. C'est bien la seule raison pour laquelle j'y vais, effectivement. T'es pas sérieux? Ah, c'est qu'un guetteur, vous me direz. Merde. Oh, je suis déçu. Ah, je suis incroyablement déçu. Oh. Oh, merde. Merde, merde, merde. Bon. On peut tout remettre en puissance des boucliers, hein, comme ça va. Ça va recharger bien comme il faut. Puis je mets un partout, histoire de recharger tous les trucs. Oh, je suis vexé. Je suis tellement vexé. En plus, la moitié des combats se passe pas dans le... Merde, j'ai vu un Cobra MK3 à l'espace à l'instant. Bon. Oh! Il y en a qui partent en chasse, là. Non, je me trompe? Hop. Oh, ils ont dû trouver quelqu'un là, non? Il doit y avoir quelqu'un à interroger, non? SP Scout quelque part. Non, lui il est en train de miner pour de vrai. Merde. Impérial Courrier. Utaldon recherché, je m'en doute un petit peu à vrai dire. J'ai dû voir générateur, mais j'ai pas fait gaffe. Le voilà. Ok, dans 3, 2, 1. Hop. Hop. Ok. On a le dessus. On a le dessus parce qu'ils sont plus nombreux que nous.
Parce qu'on est plus nombreux que lui, pardon. Comme vous pouvez le voir, il sait littéralement pas où, à qui, où en donner de la tête, où donner de la tête. Ah, par contre, je me fais agresser par autre chose, je crois. Hop. Raté. Je pense l'avoir raté à chaque fois, hein. Ce qui est vraiment dommage. Il va y avoir beaucoup plus gros que moi sur la ferme, mais c'est pas grave. On l'a eu, c'est tout ce qui compte. Pour pas 25 pauvres milliers de crédits, d'accord. Là, je veux pas vous mentir, je suis dégoûté. Je m'attendais à beaucoup plus. On va suivre les autorités. On va tout remettre en... Pour l'instant, les autorités ont toujours eu raison. Merde, c'est pas les autorités ça. Je viens de faire le con là. J'ai monté un petit peu qu'il allait avoir un casier vierge. ASP Scout. Félix Marc Black. D'accord. Imperial Eagle. John Gibbon. Bonjour. Je m'en serais douté. Hop. Ok. Mais tu sais pas qui je suis. Non, je sais pas qui t'es, t'es qui? Dis-moi tout. Non, tu veux pas me dire? Oh, quel dommage. Ça m'aurait tellement intéressé de savoir qui tu étais. Si tu savais. Ah bah merde, tu t'es déjà mort. C'est vraiment bête. Cobra MK3 en x2. Why not? Je commence à avoir des crampes à la main. Ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi longtemps à Elite Dangerous, enfin je veux dire en combat. Oui, là ça fait mal. Apparemment il est pas recherché, donc j'imagine que son pote non plus. Je vérifie tous hein, quand même, mais... Ah, c'est pas lui? D'accord. Oh, il est en train de miner aussi, donc lui, je pense pas non plus qu'il soit... Oh là! Je loupe des fights là-bas, là. Il y a un gros fight. Quel dommage. Oh la vache. Ça a l'air balèze qui se fait tirer dessus, hein. Je sais pas c'est quoi... Mais le combat a l'air violent. D'accord. Ah, je vais pas arriver à temps, moi. Si? Hop, c'est bon. Lui, c'est bon. Bon, ça me fait toujours 60 000 crédits en plus, c'est bon, ça. Mais ouais, je suis... Enfin... J'aimerais bien que ça se passe mieux. Ah. Il va par là. Ah merde, ils font demi-tour. Ah les cons! Bon. Pas grand chose d'autre qui se passe, hein. Poupi 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 pou, poupi 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 pou. Ah. Non. En train de refaire demi-tour. Viper MK4. Là par contre. On va être une cible. Clark Maxwell. Why not? Létal. Tiens donc. Hop. Gna 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 gna
Il est où ce petit con là? Le voilà. Crac. Hop. Vais-je véritablement gagner en mobilité? Raté. Ah, mais je suis nul. Bon, c'est pas grave. En plus, il y a tellement de monde, je sais pas véritablement quand est-ce que je... Quand est-ce que je vise ou pas mon adversaire... Quand est-ce que je touche ou pas mon adversaire, pardon. Bob Fulton. Oui, c'est un bon nom de délinquant, ça, non? Voilà. Bonjour, monsieur le délinquant. Oh, si ça touche. Ça aurait pu être tellement beau. Bob. Bob. Bob, ça ne va pas, Bob. Bob, non. Hop. Bob, non. J'ai dit non, Bob. Bah, pauvre Bob, il s'est fait défoncer la nuque, je l'ai même perdu en plein milieu du combat. Un Cobra MK3 dans le coin, bon. Si on peut se faire un petit million, ce serait cool, mais je pense qu'on en est encore loin, hein, soyons honnêtes. Ouais, voilà, on est à peine à 600 000, là ça va plus, on trouve plus les gros pitons, les machins, les bidules. Du coup, c'est beaucoup moins rigolo. Quasi vierge, quel dommage. Mhm. Qui es-tu, trou du cul? Tim Meredith? Non, c'est pas un nom de... Et pourtant, comme quoi déjà, faut pas se fier aux apparences, chers amis. Bah, ça a le mérite d'être clair, il m'a répondu aussi sec. Hein. Hop, j'ai oublié de baisser mes vitesses. Hop, allez, fais-toi rect, voilà. Rect, ok. Un Viper MK4 dans le coin. Ça, souvent, c'est des criminels. Mark Watts, bonjour. Je préfère tirer en premier si ça ne te dérange pas. Oh la vache. Oh, il s'est fait rect le pauvre. C'était même pas drôle à regarder. C'est un bon système hein, pour se faire de l'argent. Hein. C'est pas très fun à regarder, j'imagine. Je sais pas, dites-moi si c'est plus fun. Bah, ça doit être plus fun que le déplacement de vaisseau. Vous me direz. Apparemment, j'ai touché quelque chose. Bon. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus gros comme vaisseau, quoi. Genre Anaconda. Beluga Liner à défoncer doit être rigolo. Non, je sais pas, avoir même des vaisseaux avec des petits combattants. Ça m'aurait beaucoup plu. Mais bon, apparemment, on va rien trouver de plus. Eh ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rentrer directement à la Grange Hub. Hop, voilà. Et on va rendre récupérer nos primes, pardon. On va y arriver. Hop. Et on verra bien si oui ou non. Ah oui, pardon. Hop. Si oui ou non, on va grimper en rang quelque part ou n'importe quoi. Si on va gagner un tout petit point, imaginons pour l'Empire. Je ne sais pas. Est-ce que quand on choisit une faction... qu'est-ce qui se passe? Je vais passer vite, c'est ça? Est-ce que quand on choisit une faction en rapport avec l'Empire ou la Fédération, dans un conflit, est-ce qu'on gagne des points? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous êtes au courant de ça, chers amis, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Je serais ravi de l'apprendre. Et ensuite, forcément, de le partager sur les vidéos. Encore une fois, les amis, bah moi je vous remercie de suivre cette série, hein, parce que c'est vraiment une série moi qui me pose, qui me calme. Donc c'est vraiment sympa comme jeu. Même si c'est vrai que là, avec les séquences de grind en mode je fais des transports, c'était pas ce qui me semblait le plus fun. Hein, et pendant un moment, j'ai même rebuté à venir jouer dessus, quoi, en fait, simplement à jouer à Elite Dangerous. Mais là, c'est le retour des combats et du coup, ça me fait bien plaisir.
Ça me fait ben plaisir pour ceux qui ont vu Tonnerre sous les tropiques. excusez-moi, c'est des trucs qui me partent dans la tête comme ça. En tout cas, ça fait plaisir de revenir sur le jeu. J'imagine que quand tu auras le OTA, ça sera encore mieux parce que bah, avec l'immersion, ça va être encore mieux quoi. J'hésite même à essayer de trouver un casque cosplay ou n'importe quoi vis-à-vis des personnages. Ou essayer de m'en faire un, mais je suis tellement mauvais en die, en do it yourself. Donc je ne sais pas. On verra. Est-ce que j'ai des nouvelles pour le OTAS? Depuis une heure que j'ai pas checké mes mails. Non, apparemment non, je n'ai pas de nouvelles. Après c'est un peu long, vous allez voir que ça va réagir avec 10 secondes de retard. Hop, oulala, on va louper le point. Crac. On a plus de dissipateur thermique, cela dit. C'est dommage. Faudrait vraiment qu'ils affichent par contre le nombre de cellules d'énergie aussi, ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Oula, bug bizarre. Allons-y. Donc là, on va se récupérer quoi? 600 000 crédits? Ce qui n'est pas rien en soi. Hein. 400 000 et 300 000. Donc 700 000 crédits. C'est pas mal. On se sera fait 1,5 million sur l'après-midi. Bon, c'est pas magique non plus. Mais c'est déjà pas mal. Pour moi, c'est pas mal. Puis je me suis amusé quoi à le faire. C'est là la différence en fait, hein, par rapport au grind qui était pas forcément ce qui est le plus drôle. Et l'avantage c'est que si je veux je fais venir mes vaisseaux ici, puis hop, si j'ai besoin de partir loin, je fais venir l'ASP Explorer, et enfin voilà quoi. Et après je rapatrie mes vaisseaux sur place. Hop, on est bon. C'est parti. Plateforme numéro 11. 10-4. Oui, bah 10-4. 10-4 c'est affirmatif dans le langage de la police. Hop. Et je suis pas policier pour autant. Hein. Ah, dans, ni militaire, ni. Enfin, je sais pas trop. Marcus! Tu fais le con, Marcus! Ça va pas, Marcus! 11. Putain, je sais plus si c'est. Ça doit être sur cette ligne là parce que c'est 13, donc là on a 12 en face. Hop. Oh non! Hop, c'est bon. Entrée dans l'hangar, service de spatioport, contact. On peut voir que la station est verte maintenant, donc on est donc bien amis avec eux. Ça c'est cool. Ma réputation cordiale. État de la faction, aucune. Commandant Jonathan Lowery qui tire une gueule monstrueuse d'ailleurs, hein, faut l'admettre. Hop, faire le plein. Contact. Encaisser toutes les primes pour 700 000 crédits, voilà ce que j'avais dit. Hop. Ici normalement on n'aura rien. Ok. Alors question, pour 700 000 crédits, est-ce qu'on a une augmentation quelque part par ici de quoi que ce soit? Non, on reste au rang d'écuyer classique. C'est un peu dommage. Bon. Eh bien écoutez chers amis, du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et yo!